Marco soutient Horner au sujet de sa position sur Andretti Cadillac. Ah bah ça alors, Marco qui soutient Horner. Oh, quel choc! Quelle surprise! Horner donc, il s'explique par rapport à Andretti. Il a déclaré au Daily Mail qu'il n'avait rien contre Andretti et Cadillac, mais qu'autoriser une 11e entrée sur la grille est simplement une question de qui va réellement payer pour ça. Red Bull était Jaguar, qui était Stewart Ford. Regardez Mercedes qui remonte jusqu'à Honda, Barr et Tyrrell, Aston Martin à Jordan. C'est la procédure en vigueur depuis de nombreuses années. Marco, conseiller de Red Bull, a déclaré à Sport One. Il n'y a rien à ajouter aux déclarations de Christian, une base financière doit toujours être garantie. Cependant, Andretti, dirigé par l'ancien pilote Michael Andretti, est soutenu par le champion du monde 1978, Mario, son père donc, a effectivement essayé et a échoué à acheter Alfa Romeo Sauber en 2021. Ça s'est essentiellement résumé à des questions de contrôle dans les dernières heures de négociation, expliquant Michael Andretti, c'est ce qui a fait échouer l'accord. Audi est finalement entré dans la scène avec un rachat de Sauber. Le fait est qu'aucune des équipes actuelles est à vendre, a déclaré Mario Andretti, le père de Michael. Michael et son équipe ont déjà examiné ce scénario de manière approfondie et rien n'est disponible. Donc c'est pour ça qu'il faut une nouvelle équipe, une 11e équipe, deux nouvelles voitures, deux nouveaux pilotes. Bien sûr que c'est ça la solution. Mais évidemment, les équipes, pas que Red Bull, hein, du coup, la plupart des équipes ne sont pas en faveur de ça puisque ça va diviser un peu plus la part du gâteau. Et oui. Ils ont qu'à, au pire, redistribuer un peu plus la FOM. Ils ont qu'à agrandir la part du gâteau, vu qu'il y a une nouvelle équipe. Mais non, ils tiennent aussi leurs bénéfices, hein, du coup, la FOM. Voilà. Je sens que ça va coincer, ça. Et pourtant, la FIA veut. Alors, s'ils font déjà chier pour une nouvelle équipe, j'imagine même pas pour deux nouvelles. Hein. Oh, bah, alors là, le gâteau, il va être éclaté, là. Je vous laisse commenter.